Berébera Mesquel qui se fait attraper par la patrouille. Faute offensive. La plateforme qui permet un nouveau ballon perdu. Ça part de l'autre côté et c'est bien négocié. Narras qui écrase le cercle. Pas dedans. Et voilà ce ballon Nanterre qui peut revenir en dessous de la barre des 10 points. Bouquet qui poste et qui finit. Il reste les pieds au sol. Il sait qu'il n'a pas besoin de sauter. Bouquet est très puissant. Qui utilise ses appuis lui aussi. Et qui termine en utilisant la planche. Décidément. Yandy essaye de provoquer. Il libère l'espace et Hayes qui donne le ballon dans le corner et c'est dedans. C'est dedans. Brown dans le corner alors que Cordinier voulait postériser. Mais Tarpey qui fait l'effort et qui en plus cavale comme un lapin. Tarpey qui était contraint alors que Conklin le spin cycle. Il a été mis dans la machine à laver, double essorage. Et ça repart, un bon run hein, du côté de Nanterre. Reed qui se lève. Et c'est dedans avec la faute, le N1. Reed, on va travailler pour lui. Est-ce qu'on va essayer de le décaler? Est-ce que c'est Warren qui s'occupe de tout? Et c'est Warren qui s'occupe de tout. Et je vous ai même dit une bêtise. Oh Warren, je vous ai dit une bêtise, il avait déjà 4 fautes hein, Valentin Bigotte. Bonne phase actuelle de l'équipe, elle est grandement liée à son jeune intérieur, Reed qui rate. Mais est-ce qu'il a raté pour donner à Warren l'opportunité de planter ce 3 points? Un autre match important dans l'optique du maintien pour la Cortez à domicile qui joue avec le alley-oop déposé sur le cercle. Mais qui ne peut pas. Oubli défensif, on voit, il faut faire l'effort de revenir parce que l'oubli est payé. Narras qui écrase le cercle. Donadieu, dubitatif. Est-ce que Reed aurait mieux fait alors qu'on voit Menyandi, le N1. Non, c'était Brown. Excusez-moi, j'ai confondu les deux le temps d'un instant. Toute cette tension permettra à Nanterre d'enchaîner. Warren, non. On voit Tarpey qui met la visière, qui regarde bien loin dans les airs. Et oui, c'est le mismatch qu'il voulait. Hayes qui se lève en déséquilibre et non, bonne défense de Nanterre. Mauvaise exécution, Tarpey toujours dans l'effort. Qui fait la bonne passe. Narras qui met dedans. On a vu hein, sur l'exécution offensive, sur la dernière possession, entre les deux intérieurs, il aurait fallu. Voilà, on a vu là Victor qui plonge vers le cercle. Un meilleur équilibre. Et Motoum, le petit flotteur qui accélère. Oh, le move et le dunk. Aïe, 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 Tarpey qui nous a fait une Penny Hardaway pour les anciens qui connaissent. Plus de temps mort pour le monde. 3 secondes, Menyandi qui envoie une prière. Et victoire de Nanterre, 97-96.